Dime por qué. ¿Por qué te sorprende verme con alguien más? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. On va commencer une magnifique toile pour l'automne. J'ai décidé de commencer cette toile que j'ai eue en partenariat avec la société Paint by Number Day. Elle est vraiment magnifique. C'est une toile paysage asiatique tout en ton orangé. C'est une spring, c'est une 11 CT qui fait 85 par 109 cm. Voilà. Je vous la tourne aujourd'hui, mais je pense que vous l'aurez d'ici 15 jours sur la chaîne. Car j'ai d'autres programmations de vidéos. Alors, vous avez vu l'unboxing il n'y a pas si longtemps. Oh, allez, c'était en livret. Comme ceci, vraiment magnifique. Je crois que j'ai pas de grande image. Ah si, là. Là. Voilà, alors elle a 70 couleurs, 2, 4, 6, 8, 9 de mélange et 2, 4, 5 de points arrière. Ça, j'avais pas vu par contre. Je pense que je ne vous l'avais pas parlé de la dernière fois. Je n'avais pas vu qu'il y avait des mélanges et je n'avais pas vu qu'il y avait du point arrière. Enfin, je ne me rappelle plus de comment je vous ai tourné le unboxing. Du point arrière ? Il est où le point arrière? Je le vois pas. C'est bien du point arrière, ça, je suis pas bête. Alors, attendez. Ah non, c'est du point de croix, je dis des bêtises. C'est des croix pleines. Il y a 75 couleurs, en fait. 75 couleurs et j'ai 9 mélanges. D'accord, ok. Je crois que je ne vous ai pas dit ça hein, dans l'unboxing. Vous me direz en commentaire, mais je crois que je n'ai pas dit ça. Donc, on va y aller. Je vais l'ouvrir. C'est une toile spring, elle est vraiment magnifique. Elle est splendide. Et très très bloc, hein, comme vous avez pu voir. Vraiment très très belle. Je crois qu'on va commencer par des oranges en plus. Alors attendez, je pousse ça. Il faut que j'enlève les aiguilles qui sont sur les cartonnettes. Allez là. Voilà. Ouais, le 22, si je commence le rose là. Vous voyez le symbole rose, c'est du 22, ça sera cette couleur là. Alors, on va enlever. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'article. Et lien de la boutique en barre de description. Virginie, vas-tu craquer? De la chaîne Virginie et Phil, etc. Je crois que c'est ça. Elle a dit qu'elle l'avait vu déjà et qu'elle n'avait pas craqué, mais en voyant mon déballage. Alors, vas-tu craquer? Peux-tu la faire en duo avec moi? Tiens, ça serait sympa. Après, j'ai du 39. Le 39, c'est quoi? C'est du orange également. Et les petites croix bleues en haut. Les petites croix bleues. Alors, les petites croix bleues, c'est des plus, c'est pas des croix. C'est des plus bleu foncé. C'est du 38. Et le 38, c'est aussi du orangé. Ouais. On va être vraiment dans des... Ça va être ça. Ça va être ça. Les deux, là. Et le 22. Alors, attendez. Le ciel, ça va être ça. Ça va être beau, hein. Comme ça. Ouais. Ça va être très, très beau. Allez, j'ai dit 38, c'est ça que j'ai dit. Oui, 38, des petits plus, ouais, c'est ça.
Eh bien, on va commencer par ça. Allez, c'est parti. On va prendre une petite aiguille. Il faudrait que je me trouve, que je prenne une petite boîte que j'avais eue en partenariat et mettre les aiguilles de spring dans une petite boîte. Parce que je trouve qu'elles sont pas les mêmes que les autres. Ah, je sais plus le nom. Ah bah je sais plus. C'est pas les mêmes que Mona Lisa, que Yishu, que comment? Jason Day, Lacan. Non, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes. Enfin moi la texture quand je les touche, c'est pas les mêmes. De la même compagnie. Ah bah, j'ai enfin trouvé mon mot. Vous m'avez soufflé, j'ai entendu. Allez, je zoome. Je mets mes lunettes pour mes petits yeux de vieille. Et j'ai dit 38. Ouais, j'avais très envie de commencer une toile orangée. J'aime bien. Ça change. Parce que je vous présente beaucoup de toiles roses, avec du vert, avec du violet, voilà, mais pas de l'oranger. Hop. Allez, c'est parti. Moi, je remercie infiniment la société Pen by Number Day. J'ai un petit code promo de 10% avec Vanesse10off. Je vous le marquerai en barre de description. Merci à eux de me faire confiance et de me donner un petit code promo pour vous. Voilà, les premières petites croix, enfin demi-croix pour l'instant, sont faites. Donc cette toile, vous ne la verrez pas dans le Flosstube de septembre, vous la verrez plutôt dans le Flosstube de octobre. Donc voilà. Ah là, puis qu'est-ce que c'est bien imprimé chez Spring. Je l'ai dit déjà avec la toile Gnome et la toile avec la dame au chapeau. Oh là là, mais c'est vrai. Ça pleut dehors, ça pleut, c'est moche. Il fait gris. Bon, il est de bonne heure, il est même pas 7h. Je crois qu'il doit être 6h30, quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire un peu de rangement aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux, tout doucement. Donc, je pousse pas non plus le bouchon trop loin. Par contre, cette nuit, j'étais pas bien. J'avais chaud. Je me demande aussi si c'est pas la ménopause qui me travaille. J'ai 46 ans passé, c'est peut-être possible. Des fois, j'ai des bouffées de chaleur, mais c'est une horreur. Comme si que il faisait 50 degrés. Je n'ai pas fait exprès. Hier, je vous ai tourné une toile Pen by Number Day et aujourd'hui, je vous retourne une toile. Vous savez, c'est ma toile paysage vert et rose. Elle est magnifique. Ah, puis je vous ai fait quand même une vidéo de 30 minutes. Hein. Ouais. J'avais envie de vous parler. J'avais dormi plus de 3 heures. Et après, j'étais bien. Après, j'ai fait un bon bourguignon. Très, très bon. Il nous en reste pour aujourd'hui. Faut que j'aille soit bien parce que ce soir on fait un apéro dînatoire chez des amis. Mais je vais pas trop abuser, je mangerai vraiment léger pour pas non plus que mon estomac refasse des siennes. J'ai pris ma température, j'en avais pas parce que
comme j'avais des bouffées de chaleur, je me suis dit, mais j'ai de la fièvre ou quoi? Puis j'étais un petit peu comme courbaturée. Dès que je me penchais et tout, ben non. Parce qu'apparemment, il y a du Covid qui revient à fond. Alors, c'est la pharmacienne qui nous disait ça à mon mari il y a 2-3 jours. Qu'elle a été chercher ses médicaments. Et elle a dit là qu'il y avait un pic des tests. Toute façon, maintenant, il va falloir vivre avec. Hein. Comme on a dit dès le départ, je pense que. Ça, c'est un truc quand même qu'on n'aurait jamais imaginé. Je pense que nos anciens reviendraient, ils diraient, mais ils sont fous. Confinés avec des masques, sans sortir, faire des autorisations de sortie. Non, mais des fois, quand j'y pense, je me dis, mais on aurait dit un film de science-fiction, quoi. Très joli marron. Hein. Vous avez vu un peu ces couleurs? J'aime beaucoup. Ça change un petit coup. Qu'est-ce que je peux boire aussi? Puis j'espère aller mieux parce que demain, normalement, je vois ma chipette, ma nièce. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Enfin, je l'ai aperçue la semaine dernière, vite fait. Un petit chat à tata. Des fois, j'ai dit, tu viens voir Tata? Non. Alors, j'ai dit, tu viens voir Johanna? Oui. Ah, bah, avec sa cousine. Ah, bah, ils ont un lien fort. Ah, oui, sa cousine, c'est sacré. De toute façon, quand elle vient à la maison, direct, elle va dans la chambre à Johanna. La dernière fois, elle était déçue. Bah, il y a déjà un petit peu déjà. Elle était venue. Ouais, c'était. Je travaillais encore d'équipe. Et puis Johanna a fini ça à 17h, elle était encore au collège. Elle était dans la chambre et puis. Ah pas, ah pas. J'ai dit, bah non, Johanna, elle n'est pas là. Elle a bien changé aussi. L'année prochaine, elle va aller à l'école. Oh là, mon Dieu. Je la revois toute bébé là. Bon, c'est encore un bébé, mais. 2 ans, quoi. Petit chat. Et vous, dites-moi en commentaire si vous aimez les toiles automnales. De toute façon, vous aimez les toiles aussi. Moi, j'aime pas trop les toiles d'Halloween, moi. Je suis pas trop. Je suis pas trop Halloween. Non, pas du tout même. Là, en ce moment, il y a les décorations. Moi, ça fait déjà un peu hein, de action à Halloween. Bah, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère les décos de Noël. Et j'aime bien aussi quand ils font des décos du printemps. Vous savez, avec pour Pâques et tout. J'aime bien. Mais Halloween, ça n'a jamais été mon truc. On a fait un fil, regardez. C'est beau, hein? On va en faire alors. J'ai dit quoi? Non, c'est pas celui-là. C'est du 38. Hop, je prends mon fil. Ils sont très doux, les fils. Ouais, ça pleut bien parce qu'on entend les. Les glouglous des égouts. Je sais pas si c'est vous, il pleut. Nous, on a eu beaucoup de vent. Maintenant, on a de la pluie. C'est vraiment
à ton vraiment automnal. Même hier, j'ai failli me faire une soupe. Mon mari l'a dit, moi je veux pas de soupe, hein. Il gèle pas. Lui veut manger de la soupe que quand il gèle. Sinon, il n'en veut pas. Moi j'aime bien de la soupe, ça réchauffe. Quand il va commencer à faire froid pour le travail, je vais en emmener dans ma thermos. Ça va faire du bien, ça va réchauffer. Je suis en train de regarder mon ongle parce que ça s'accroche un peu, alors je fais attention. Après, je vais vous tourner ma petite partie du vlog et après, je vous mettrai le vlog pour la semaine prochaine. Je sais pas. Comment? Si je vous tourne sur cette toile ou si je prends une autre toile. Je pense que je vais prendre une autre toile. Comme ça, je vais vous faire la surprise d'avoir celle-là. Vous, en fait, quand je vous parle du vlog, vous l'aurez déjà vu. Hein. Vous l'aurez vu la semaine d'avant. J'ai bien travaillé aussi sur mon duo avec Isa. Donc, je ne veux pas vous faire voir avant le 15. Que j'ai quand même pas mal travaillé dessus, là. J'étais motivée et voilà. J'aime bien. Comme ça, j'ai fait les petites croix là. Puis après, je ferai du rose. Je pense que je descendrai un petit peu comme ça en diagonale. Pour arriver un peu, vous savez, là je suis là pour arriver un peu comme ça dans la montagne pour faire un petit peu des toutes les couleurs, quoi. Je suis très contente hein, d'avoir cette toile. Merci, Paid My Number Day. De votre confiance. Hop. Quick. Quickie. Hop. Allez. Les deux là, je les ferai quand j'aurai fait du rose, parce que sinon après je vais pas avoir de points pour entrer mes fils. Hop, j'ai été trop vite. Ah bah, deux fois. Jamais 203. Non, on va y aller doucement. Voilà. Hop. Alors, dites-moi un petit peu, vous, ce que vous regardez en ce moment à la télé. Moi, je regarde Accidenté sur Netflix. C'est pas mal. J'ai regardé aussi Un couple parfait avec Nicole Kidman. Et qu'est-ce que je voulais regarder après? Je sais plus. Je sais plus. Donc peut-être que vous, vous avez des séries à me conseiller. Netflix ou autre, hein. Moi j'ai Netflix et j'ai Prime. Et j'ai Canal, mon mari a Canal, donc sur ma tablette, j'ai Canal. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi les documentaires. J'ai regardé
un document sur, c'est France 2 ou France 3, je ne sais plus, sur le grêlé. Vous savez, c'était un violeur de petites filles. Ils ont mis plus de 30 ans à le retrouver. Et c'était très intéressant. Vous savez, Vanessa, elle aime beaucoup les... C'est rare que je dise Vanessa. Vanessa, elle aime beaucoup les histoires de crimes et tout ça. J'aime beaucoup étudier la psychologie et le comportement des criminels. Ça, c'est un métier, comme je dis, j'ai toujours dit qu'il m'aurait beaucoup plu. Mais la vie a fait autrement. Mais j'aime beaucoup. De toute façon, dès qu'il y a un truc, une série criminelle ou un reportage, mon mari me dit toujours, ça c'est pour ma femme. Ouais, moi j'aime beaucoup. Là justement, il relance l'affaire Jubilard. Il va passer aux assises, malgré qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas d'aveu. C'est très très étrange cette histoire. Parce que franchement, si c'est lui, il a commis le crime parfait, quoi. Moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de documentaires, reportages. Voilà. C'est mon truc. Est-ce que je vais pouvoir finir les derniers points là peut-être. Puis je pense après que je vous laisser là, on aura fait deux fils ensemble. On aura papoté une vingtaine de minutes. Ah, j'ai perdu. Comme ça après je vais continuer un peu ma série tout en faisant mon bazar tranquille. Alors attendez. Je vais essayer de faire un petit peu de ménage aujourd'hui. Ça serait bien si j'ai la force, mais normalement oui, ça devrait aller. Je vais au moins faire ma vaisselle et faire l'aspirateur, ça serait pas mal. Après, laver le sol vu le temps. Avec mon chien qui rentre, qui sort, mais bon, mon chien en essuie les pattes. Mais c'est surtout mon chat qui rentre, qui sort. Alors, je rentre le fil. Hop. Je vais peut-être commencer aussi avec mon mari. On va commencer à ranger peut-être dehors. Ranger la terrasse et tout. Ça sert à rien de laisser rentrer le parasol, ranger toute. Maintenant c'est l'automne donc on va plus trop aller dehors. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez ce qu'on a fait ensemble. C'est beau. Hein. Moi je remercie encore la société Pen Pine Number Day pour leur confiance. J'essaierai de vous mettre le lien de l'article, le lien de la boutique ainsi que mon code promo, mais je ne vais pas oublier donc je vais vous le mettre. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, même vous abonner. Si le cœur vous en dit, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!